Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Last of Us Partout. Dans l'épisode précédent, il s'est passé beaucoup de choses. Abby, elle a tué Tommy et Jesse, après elle s'est tapée contre Ellie. Et du coup, on se retrouve quelques mois ou années après les événements de Seattle. Je coupe mon micro, c'est parti. Je vais étendre le linge dehors. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Il faut lui mettre sa veste? Non, ça va. Encore? Tu peux me dire d'arrêter? Tu veux que j'arrête? Ok, ça suffit. Sérieusement. Tu veux le caresser? Là. Voilà, c'est bon. Oh, 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 doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Hey. Je peux le prendre. Tu peux mettre les moutons dans la grange? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Vraiment? Ouais. Il faut que tu te reposes. D'accord, tiens. Alors. Allez. Voilà, t'es bien là. Tarde pas trop, hein. Il doit prendre un bain. T'inquiète, je suis une pro du troupeau. Eh oh, les moutons! Le dîner est servi dans la grange! Allez, on rentre! Flocon, dans la grange! Daisy, allez, dépêche-toi! Oh, t'as vu un peu tous ces moutons? Il y en a combien, à ton avis? On va les compter. Un, deux. Bon, je m'endors. Alors on arrête là. Eugène. Allez, hop, c'est l'heure de rentrer. Todd. Bon, c'est quand tu veux, hein. Oh, ça fait beaucoup trop de moutons, ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu dirais d'en manger un ou deux? Pour le goûter. Ça va, t'as pas froid? Plus que quelques-uns. J'ai une devinette. Quel est l'animal le plus ramollo dans une ferme? Le mouton. Tu verras, quand tu seras plus grand, tu seras complètement fan de mes blagues. Allez, encore une. Qu'est-ce qu'on obtient quand on croise un mouton et une très grosse vache? Une bête énorme. Ouais, ta maman l'aime bien aussi, celle-là. Bien joué, JJ. On a réussi. Allez, à demain, les petits potes. Hé, hey, comment t'es sorti? Regarde-moi.
Viens, tu es chez toi, chez nous. Respire, respire. Je peux. Ok, je vais le prendre, d'accord? Viens là, allez. J'étais en train de... Je ne sais rien. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Hé. Hey. Eh ben... C'est cool. Tu sais... On commençait à s'ennuyer ici. Hé, hey, t'étais où? Je sais. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Qui est là? Oh, entre, tu verras. Oh. Hey, t'as eu une sacrée poigne, mon bonhomme. Salut, Tommy. Oh, te voilà. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon grand. Voilà. Je t'aide. Non, ça va, merci. Salut. Salut. De te voir. Moi aussi. Eh, il pèse son poids. Je sais, mais c'est rien que du muscle. Ça va en ville? Et Maria? Ah, elle va bien. On a décidé de faire un break. Je suis désolée. Non. On en a beaucoup discuté. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Ok. Assieds-toi. J'ai un truc à te montrer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je mène mon enquête. Et j'ai trouvé un type qui a pu me renseigner. Il m'a parlé d'une femme qu'il aurait rencontrée quand il traversait la Californie. D'après lui, c'était une armoire à glace. Elle voyageait avec un gosse qui avait des cicatrices sur les joues. Il m'a dit qu'il vivait sur la côte, à bord d'un voilier. Juste ici. C'est forcément elle. On en a fini avec tout ça. D'accord.
plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici, elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Des conneries, ouais. Tu veux bien le prendre? Ouais. Tu nous fais quoi, là? Rien. Bordel, Tommy. Tu sais ce qu'on a traversé. Arrête ça. Elle me l'avait juré. J'en ai rien à foutre. Ouais, je sais, Tina. Mais c'est bien ça que je te reproche. Écoute-moi bien. Vas-y. And the buggy standing on the line. Jets and gamblers standing around, taking little city to the grave.
déteste ces soirées. M'en parle pas. Ton vieux m'a passé un savon aujourd'hui. Il t'a dit quoi? J'ai eu droit à un serment sur les patrouilles. Faut pas aller là-bas non plus. En fait, il est comme ça chaque fois que tu vas sur le terrain. Ouais. Elle a l'air de bien s'amuser. Je parais que dans 2 semaines, vous ressortirez ensemble. Ça risque pas. Elle t'a parlé de moi? Plutôt 1 semaine. Ellie! Salut! T'es un ami du temps? Mais je suis là, non? Dina? Jessie? Viens. Vous couchez pas trop tard, hein, parce que demain, on se lève tôt. À vos ordres! T'es pas sympa. Arrête. Commence pas avec ça. Ok, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que je sens mauvais? On dirait que t'as dormi dans une poubelle. Oh, ok. T'aimes ça? C'est dégueulasse. Ouais, t'aimes ça. Famille ici. Désolée. Vous savez que des gosses peuvent vous voir? Ouais, heureusement que t'es là pour nous montrer l'exemple. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ellie? Hey! Arrête! Fous le camp d'ici. Je t'interdis de me toucher. Hey! Ça suffit. Allez, viens, on va faire un tour. Et eux alors? T'en occupe pas. T'as besoin d'un peu d'air frais. Tout va bien, Ellie. C'est quoi ton problème? Il avait pas le droit. Parce que toi, si. J'ai pas besoin de ton aide, Joël. D'accord. Salut. Salut. Eh ben, ça fait longtemps qu'il avait pas fait une nuit complète. Il a eu une dure journée. Ouais. Il va bien. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain, d'accord? J'ai pas le choix, je dois y aller. Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy. J'arrive plus à dormir. Je mange plus, je suis pas comme toi, Dina. Quoi?
Tu t'imagines que c'est facile? Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi aussi. Je t'aime, Tina. Prouve-le. Reste. C'est impossible. Alors quoi, je suis censée rester ici et attendre sagement ton retour? Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie? J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais? Bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Non. Ok, Constance. Maintenant, on cherche. On est venu ici la semaine dernière. Et dire que t'as échangé un pistolet contre cette info. C'est une piste. Ça m'étonnerait que ce type ait vu des lucioles ici. Arrête. J'ai un bon pressentiment. Pas moi, non. Allez. Ce sera pas de ce côté. C'est les pères, là. On chauffe de plus en plus. Oh, j'espère pas. Je suis déjà en sueur. Quelle andouille. Ah!
Bon, c'est fini. Ouais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est vrai. Reste sur tes gardes. Allons trouver cette maison. 24-25. Bien joué, mon pote. Si les lucioles existent encore. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, à ton avis? Je sais pas. Leur objectif, c'était de rétablir la société. Mais bon, il y a un tas de moyens pour y parvenir. Voyons voir. On dirait que c'est à l'abandon, comme toutes les autres maisons. Continue à chercher. Ils ont peint l'intérieur pour que ça ressemble à l'extérieur, mais les plantes, ça ressemble pas à ça. Je rêve ou t'es optimiste? J'essaie de me rendre utile. Pas besoin, t'es toujours utile. Je crois qu'on a fait le tour, Lev. Non, attends. Viens. Peut-être là. Des traces. Pousse-toi. Personne n'est venu ici. J'ai bien peur que t'aies raison. Y
Ils étaient pas trop mal installés, finalement. Panneau solaire. Ah. Y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici. Tu vois un indicatif quelque part? Un quoi? C'est une suite de chiffres et de lettres. Ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? À vous. Y a quelqu'un? C'est quoi ça? C'est des fréquences. Y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici Abby de Santa Barbara, quelqu'un me reçoit? Est-ce que c'est des avant-postes de Luciole? J'en sais rien. Quelqu'un me reçoit? À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici Abby de Santa Barbara. À vous. À vous. Y a quelqu'un sur cette fréquence? Allô, ici Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, répondez s'il vous plaît. Répondez-moi. Salut, Abby. On te reçoit 5 sur 5. T'appelles d'où à Santa Barbara? 24-25 Constance. On nous a parlé de cette base, mais y a personne ici. On cherche des Lucioles. Je suis une Luciole. T'étais en poste à quel endroit? J'étais à l'avant-poste de Salt Lake. Qui dirigeait l'avant-poste? Le docteur Jerry Anderson. C'était mon père. Si je m'y attendais. On a vidé tous les avant-postes satellites et on a rassemblé tout le monde ici, à la base. Et vous êtes combien? On est environ 200 maintenant. Chaque mois, on a de nouvelles recrues. Oui, vous avez raison. Comptez-en deux de plus. Comment on vous rejoint? L'île de Santa Catalina. Allez vers le grand bâtiment avec un dôme à Avalon. On vous trouvera. Ok. Alors, à très bientôt. Terminé. On vous attend. Bonne chance, Abby de Santa Barbara. Terminé. Viens, on retourne au bateau. Bon, d'accord. T'avais raison. T'as dit quoi, pardon? Pourquoi tu me fais toujours répéter quand je me trompe? Parce que ça me fait plaisir. Et aussi parce que ça n'arrive presque jamais. Tu es pas maintenant. Attachez-la.
Approche. Fais voir ta blessure. T'es prêt? Hey, tu fais quoi? Attends! Putain de merde! Ça va aller. Occupe-toi du gosse. Ne la touche pas! Je vous ai interdit de la toucher! Non! C'est une sacrée presse, pas vrai? T'es allé où ensuite? Deux, quatre, deux, cinq, Constance. Ouais, ça doit être ça. Ça se présente plutôt bien. Thank you.
Mais ça bluffe. Je suis là. La direction de Santa Barbara, c'est... par là.
faut que je me casse d'ici. Il doit bien y avoir une rue dans le coin. Ok. Santa Barbara se trouve en bas. 24-25, Constance. Forcément en bas. Encore vivante. Cette gare, c'est dans un sale état. Elle tiendra un mois à tout casser. Sérieux, on pourrait pas s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, descends l'infecter de là qu'on remette les pièges en place. T'es sûr, mec?
Ça vaut vraiment le coup de la ramener. Elle est pas si... Merde! Oh putain! Elle t'a mordu? Non, 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 non. J'ai rien. J'ai rien. Oh putain. Tu trouves ça drôle? Je crois que t'as chié dans ton froc. T'as dit quoi, là? J'ai dit que t'es une vraie mauviette. Ah, tu te crois marrante, c'est ça, hein? Allez, debout! Arrête! Debout! Ça vaut pas le coup! Je m'en fous! Elle va claquer de toute façon! Viens là, toi! Attends! C'est loin, hein? Rigole! Je chier, là! Rigole! Attends, tu as dit Abby. Tu cherches une Abby, pas vrai? On en a chopé une, il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Une fille musclée. Blonde. Des bras comme les miens. Accompagnée d'un petit merdeux avec des cicatrices bizarres. Ouais, c'est bien elle. Laisse-moi partir. Je te dirai où elle est. Tu la trouveras avant que l'infection prenne le dessus. Parle. Elle est dans une cellule, dans notre camp. Et c'est où, ça? Va de ce côté-là, jusqu'à la voie ferrée. Ça t'amènera à un complexe. On les met dans le grand bâtiment circulaire. Je te le jure. Jusqu'au complexe. Grand bâtiment circulaire. Voie ferrée jusqu'au complexe. Grand bâtiment circulaire. De ratisser le secteur. Vérifiez que c'est le seul à être sorti. Et faites gaffe aux infectés. Ouais. Si j'apprends que quelqu'un l'a aidé, cette raclure est bonne pour la piscine. Quel gâchis. Ça faisait un moment qu'il jouait au con. C'est le troisième, Soisy. Tu devrais mettre plus de gars au portail. Y aurait pas besoin si les gars du portail faisaient leur putain de boulot. Va jeter un œil. Je veux être sûr qu'il était ça. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Finalement, Tommy il est pas mort, mais il a quand même perdu un œil. Et ensuite, Eliel est reparti à la recherche d'Abby pour essayer de la tuer encore une fois. Et là, du coup, on se retrouve à Santa Barbara. Enfin, on change de décor avec Seattle. C'était vraiment long, Seattle. Et on verra la suite dans le prochain épisode. Du coup, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.